tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce rendez-vous. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Molière Télévision. On ouvre cette édition du journal par cette information a priori. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Molière Télévision. Sans plus tarder, voici les repères de cette édition. Le monde entier a célébré ce 5 décembre 2016 la journée internationale de l'arbre. À Lubumbashi, plusieurs activités ont eu lieu en rapport avec cette journée. Encore une fois, bienvenue. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'arbre ce 5 décembre, Molière Télévision a fait appel à un artiste laticien qui donne l'importance de la faune et la flore à travers un tableau représentant un arbre à 5 bras avec un extrait de la chanson. Suivez donc cet élément de reportage réalisé pour vous par Oracle Kanyinda et Tati Assoumi. Pour un développement durable et un environnement sain, sauvons la faune et la flore. Sauvons la faune et la flore. Je suis un arbre, la plante fascinante, la plus négligée et la plus attaquée. En ma qualité d'artiste plasticien, je pensais dessiner le tableau que vous avez devant vous. C'est un tableau vautain. Il parle de l'arbre à mille bras, donc l'arbre de l'eau et le soleil. En 5 grandes voies, à savoir l'arbre qui nous entraîne dedans, l'arbre protège, l'arbre nourrit, l'arbre produit et l'arbre nourrit. La planète dépend de l'arbre. L'arbre est en train de pleurer pour lui parce qu'il est sujet à la déforestation barbare. En l'occasion de la journée de l'arbre, c'est une bonne coïncidence parce que c'est la journée du 5 décembre. Ici, je parle aussi des 5 rôles de l'arbre et la chanson également est des 5. Si prend fin cette édition de journal, messieurs et dames, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe rédactionnelle de Molière Télévision. Au revoir. L'arbre à 5 mètres, donc nous l'appelons l'arbre à 1000 bras, n'est-ce pas? L'arbre a beaucoup de bras, mais seulement comme nous focalisons le message sur les 5 devoirs de l'arbre. Vous avez devant vous l'arbre avec 5 mains, n'est-ce pas? Ces 5 mains jouent quel rôle dans la société humaine? Quels sont les devoirs de l'arbre dans la planète? Et qui représente ce que vous voyez devant vous? Oui. L'arbre nous protège. Qui a vu encore un autre élément? Ok, donc l'arbre nous soigne, n'est-ce pas? Qui a vu encore un autre élément? L'arbre nous nourrit. Un dernier élément? Mon ami? L'arbre nous donne le caoutchouc. Et je vous pose une petite question. Quel est l'arbre qui donne du caoutchouc? Connaissez-vous un arbre comme ça qui donne du caoutchouc? C'est quel type d'arbre? Je vous informe qu'il s'agit de l'EVA. Tous ensemble, c'est quel arbre qui produit du caoutchouc? L'EVA. On peut le retrouver où? Ici en RDC? Plus précisément en Équateur, n'est-ce pas? Donc l'EVA, c'est l'arbre responsable de la production du caoutchouc. Tout ce que vous portez comme souliers provient du caoutchouc. Et c'est l'EVA qui nous produit du caoutchouc. Qu'est-ce que nous pouvons faire de l'arbre en rapport avec la journée des 5? Oui? On ne peut pas les couper. Et encore?
greffe, l'homme doit respecter quoi?